свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и отбавить пояс. Ноги соединяйте, руки опустите. Je fais du poulet depuis 96. Donc 4 bâtiments de poulet label rouge, IGP Gers. Là, on est sur une exploitation qui fait 120 hectares, sur laquelle on fait des cultures diverses surtout. Vous avez vu les parcours, ce sont des parcours plutôt enherbés, plantés avec des arbres au milieu. Ça, c'est nécessaire, c'est obligatoire, ça fait partie du cahier des charges. Ils mangent aussi de l'herbe, des insectes, des vers de terre. Et plus ils mangent dans le parcours, moins ils mangent dans le bâtiment. Et c'est d'un point de vue qualité, on s'y retrouve. Il y a un dessin au niveau du plumage, au niveau de la peau, qui se retrouve en linéaire. C'est une peau très fine, donc peu grasse. Vraiment, ce sont des poulets bons pour la santé. D'un point de vue diététique, c'est quand même très très intéressant. Des suprêmes de poulet. Alors les suprêmes, c'est la partie filet du poulet qu'on retrouve ici, justement. Toute la partie viande près de la carcasse. Et ça, c'est vraiment le morceau noble du poulet. Vous voyez les pentes ici, on a de belles cuisses de poulet. Il n'y a pas de souci là-dessus. La particularité, c'est des pattes bien jaunes. Plus ils mangent d'herbe, plus on a de poulets de couleur jaune aussi. Donc là, ça, c'est uniquement la partie alimentation qui va jouer, un peu la génétique, mais surtout l'alimentation. Chair jaune, c'est le maïs, et chair blanche, c'est le blé. C'est des poulets produits sous signe de qualité label rouge, et du Gers, parce qu'ils possèdent une IGP Gers, donc ils sont produits uniquement dans le territoire gersois. C'est la grande particularité de notre système, où on regroupe les producteurs, les abatteurs, les fabricants d'aliments, les accouveurs dans une association qui n'a qu'un seul but, c'est produire du poulet fermier du Gers. Le label rouge garantit aux consommateurs une qualité supérieure, une alimentation saine et le goût du produit. Je suis producteur de chapons, j'ai deux bâtiments de chapons. Élevé en plein air, avec dans son alimentation 80% de céréales. Il a encore un mois jusqu'à Noël pour atteindre les 4,5 kg. Donc une meilleure saveur et la viande est plus persillée parce qu'il y a plus de graisse à l'intérieur et c'est meilleur. Voilà 13 ans que je travaille avec les poulets fermiers du Gers, grande satisfaction. C'est un produit qui est tout à fait fait pour la rôtisserie. Sa caractéristique, c'est d'avoir une viande onctueuse, grasse dans le bon sens du terme, un blanc qui est vraiment très apprécié et un poulet qui se tient très bien à la cuisson. Il y a un suivi constant depuis 13 ans que je suis ouvert, je n'ai jamais été déçu par la qualité des produits. Donc à ce niveau-là, tout est positif et les remontées sont tout à fait satisfaisantes.